Tu veux faire les mêmes gestes que tonton Céane? Elle vient dans les stages Urban Ball à l'Urban Soccer et là c'est dans toute la France pendant les grandes vacances, lien dans la description. Le Céane VS France est de retour, donc si tu veux me défier, rendez-vous à Marseille le 7 juillet 2018 au centre commercial Grand Littoral à partir de 14h ou alors au casino Partouche de Aix-en-Provence à partir de 22h. Salut les youtubeurs, c'est Coach, ça va ou quoi? Et aujourd'hui pour cette vidéo, je vous donne toutes les infos, les secrets sur la dernière pub Adidas qui est sortie pour la Coupe du Monde. Quoi? T'as pas vu? Regarde. Make some noise! Creativity is the answer. Never play on repeat. Hey, put your own spin on things. Let a new wave begin. All right, come on, let's go. 2 seconds. Creators, run the show. We want the awesome. From the cage to the stage. Rise up from the streets to the pros. C'est qui ça? Replay s'il vous plaît. Bon, tu l'as compris, cette pub, elle est totalement folle. Dans la même pub, on a Messi, Pogba, Beckham, Luis Suarez, Mohamed Salah, José Mourinho, Mesut Ozil et Pharrell Williams. Vous savez qu'à chaque Coupe du Monde, les marques, elles se mettent en quatre pour pondre la meilleure pub possible. Si on parle d'Adidas, vous vous rappelez la pub avec le petit José, avec son pote qui faisait une équipe dans la rue et d'un coup, t'as Zidane, Beckham, Cissé qui débarquent nulle part et ils se font un match de street. José, vamos? Si, Paris, caca, Zidane. Une qui m'avait marqué, c'est quand ils avaient pris leur camion, la Zidane Beckham Del Piero, ils avaient foutu le bordel à Amsterdam. Je vais pas vous citer toutes les pubs parce que il y a la marque interdite, hein, j'ai pas trop le droit d'en parler. C'est vraiment pas la première pub qu'on fait avec Adidas avec la S3. On a participé à la première grosse pub où Pogba apparaît avec Adidas, où il a même fait le double tour du monde. En fin d'année dernière, j'avais participé à la pub avec Pogba à Manchester pour la sortie de la nouvelle Predator. C'était d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait une vidéo qui a fait des millions de vues, c'est juste là. Mais si on revient sur cette pub qui s'appelle Create the Answer, traduction, créer la réponse. Super Céane, ton anglais est magnifique. L'histoire, c'est à propos de la créativité qui mélange le foot et la rue. En gros, qu'est-ce qui se passerait si tu mettais que des créateurs d'univers différents ensemble? Alors si on analyse la pub, déjà ça commence avec, tu crois que t'es un stade de foot avec 50 000 personnes. Eh bah oui, il y avait vraiment du monde de ouf. Ils avaient loué un grand studio avec des gens de partout le matin. Les gens, ils dormaient par terre, c'était la folie. Tu vois la première scène où Messi, il rentre dans le bâtiment et d'ailleurs, on voit vite fait les F2, les youtubeurs anglais avec qui j'ai joué un match récemment. Donc si tu veux voir la vidéo, c'est juste là. Messi, il croise Pogba, Beckham, un peu tout le monde. Et ça arrive sur la scène principale où t'as Pogba qui est mis en lumière et qui reçoit un ballon. Et à ce moment-là, il fait un move qui doit se décupler sur des centaines de milliers de personnes. Genre, il influence tout le monde. Et si tu regardes bien, à un moment, si tu mets pause là maintenant, eh ben oui, là, les gens que tu vois, c'est Mélodie, Traf et Annie qui est quelque part par là. Du coup, on s'est pas privé, on a fait un vlog avec Pogba et il a fait un truc de ouf. Il a mis un pana à un street player, à un joueur de petit pont. Et ça, ça se retrouve dans le vlog S3 où tu peux cliquer, il est juste ici. Faut gaspiller, gaspiller là. D'ailleurs, les pauvres S3, ils ont répété 50 heures cette chorégraphie pour au final avoir 2-3 secondes. Petit pouce bleu pour la S3 ou juste un applaudissement.
Merci les gars, c'est pour la team S3. Après il y a la scène dans la cage où il y a la meuf qui met la misère à tout le monde. Il y a Mo Salah, il y a Dele Alli. Et puis la fameuse scène de la corde à sauter. Corde à sauter, hey, hey, corde à sauter. En arrivant dans cette pub, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. En gros, je devais animer un tennis ballon entre Mesut Özil, Chicharito, Gabriel Jesus, Bernardo Silva et deux joueuses professionnelles de football dont je ne me souviens plus le nom. Du coup, en résumé, vous avez vu quoi? Un coup du t-shirt, un panard où je passe tout mon corps à l'intérieur de quelqu'un. Cette personne, c'est Mesut Özil. Et oui, hein, je suis bien passé entre les jambes de Mesut Özil. Mais il y a eu beaucoup plus que ça. Si d'ailleurs, tu veux voir tout ce qui s'est passé lors de ce voyage, va voir la vidéo sur ma chaîne principale. Je te la mets juste ici. Et ça vaut le détour parce que vous allez voir des choses que l'on ne voit pas dans la pub. Et oui, tonton Sian, il vous ramène des infos fresh. Oh les gars, mais... Mais le plus compliqué, le challenge vraiment pour moi, c'est de jongler dans les cordes. Parce que si tu regardes bien, à un moment, je fais un move dans la corde. Et du coup, j'ai dû apprendre un peu de technique de double dutch, une discipline de corde à sauter super super impressionnante. Et je devais mélanger un peu le jongle et le double dutch. De la pub, bien sûr, t'as Pharrell Williams qui te donne le micro et qui te dit est-ce que toi aussi t'es créatif. Donc la youtubance, dis-moi si t'es créatif et moi dans les commentaires quelle pub t'aurais tourné toi à la place d'Adidas. Franchement, c'était une expérience de ouf, très longue mais très intense, et je remercie encore Adidas d'avoir pu participer à cette pub. Même si on nous voit que quelques secondes, c'est toujours cool de côtoyer d'autres personnes, de rencontrer à la fois des joueurs professionnels, mais aussi monsieur tout le monde, des figurants, des danseurs, d'autres artistes. C'est vraiment cette mixité, moi, que j'aime bien, et c'est vraiment pour ça que je fais du freestyle, c'est pour rencontrer les gens, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette chaîne YouTube, parce que j'ai envie de vous rencontrer, vous, la youtubance. Donc dites-moi aussi dans les commentaires votre passage préféré de la pub, et mettez un pouce bleu pour fêter la présence de tonton Sean et de la team S3 dans cette pub Adidas. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup vous rencontrer à youtubance, c'est pour ça que j'ai remis en place le Sean vs France, qui est un tour un peu de France entre guillemets, parce que je peux pas aller dans toutes les villes où je vais vous rencontrer, jouer contre vous, mais surtout passer l'après-midi ensemble et faire un programme qui permet à la fois aux fans de freestyle, aux pratiquants du freestyle de s'exprimer, ou alors de regarder un beau spectacle. Bien sûr, si tu n'es pas urban baller ou panda baller, mais que tu aimes juste la chaîne YouTube, ou alors que tu veux juste passer un bon après-midi, tu es bien sûr le bienvenu. Il y aura une séance de dédicace. Il y aura aussi le stand urban ball avec les survettes, les ballons, les casquettes, les urban ball bags, en fait tout ce qu'il faut pour acquérir ton matériel d'urban baller. Et si tu ne peux pas venir, malheureusement, je vais te faire quand même gagner un petit truc urban ball. Et tout simplement, il va falloir aller tout de suite suivre le compte Instagram urban ball FR, et dessus je mets une petite photo, vous allez suivre le compte, la commenter, et on tirera au sort un gagnant pour le giveaway. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Avant de finir la vidéo, je vais quand même faire la dédicace à un des mecs qui a commenté la dernière vidéo. Je vais commencer à le faire plus régulièrement, je vais vous faire des dédicaces. Celui-là, ce sera pour Lenny Freestyle. Lenny Freestyle qui est un urban baller confirmé. Peut-être qu'on le mettra sur la tournée. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir Lenny, grosse dédicace, qui me dit la snapance. Et on voit que sa photo, il a une urban ball et il fait un geste. D'ailleurs, si vous avez des photos urban ball, postez-la en profil de vos Instagram avec le hashtag urban baller, ou alors même sur YouTube. Comme ça, quand je défile, vous marquez, tu vois, je vois que c'est des vrais urban ballers à qui je parlais. Ça fait toujours plaisir. Si t'es kiffé, ça touche pas mon ballon, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu. Mets un pouce bleu si t'es content d'avoir pu voir
que la Team Espoir et Tonton Céane apparaissent dans la pub Adidas et que aussi le retour du Céane VS France. Dis-moi en commentaire ce que tu veux voir. Ça, on a parlé de créativité, donc si tu as envie de donner des idées créatives pour les prochaines vidéos, n'hésite pas. Si t'es pas abonné à la chaîne, clique sur le coach Céane qui apparaît quelque part sur une des Urban Ball. N'oublie pas la cloche de notification surtout pour être au courant de toutes les vidéos. C'est bon, t'as cliqué. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. We'll be right back.